Bon, pour le moment, il y a le chauffeur là du Nahd Khalili, puis il y a un Africain, un Camerounais, un jeune Camerounais qui a une vingtaine d'années, qui est là, qu'on pense qu'on va garder. Il y en a l'un ou l'autre joueur qui va venir et on va voir ce qu'on va faire pour la suite. Il s'agit du joueur brésilien? Bon, normalement, il y a un joueur brésilien qui va venir faire un test, on verra quand il sera là. Et sinon, vous n'avez pas proposé d'autres joueurs en tant qu'entraîneur? Bon, les propositions que j'ai eues, je les ai faites, et puis voilà quoi. Hein. Après, on décide de voir celui qui nous servira le mieux. Sinon, pour les libérer, sauf que vous avez les joueurs Aoudia, Koulibaly et l'autre Azoka, il n'y a pas d'autres libérés? Non, non, non. Monsieur Belhout, c'est tellement avant d'entamer votre stage de préparation. Vous avez parlé avec les joueurs sur la phase de retour. Qu'est-ce que vous attendez en tant qu'entraîneur de la GSK de cette phase? Bon, on attend toujours que ça, de ramasser le plus de points possible pour essayer d'arriver donc au podium.